au courant de décision famille en prend, mais ça pas empêcher gagner des activités que nous prévoit qui a toujours réalisé. Oui, bien sûr, c'est gagner en pile discussion, parler, instant échange pour nous chercher plus bonne façon pour nous honorer mémoire Mme Dorval et nous connaissons dans qui condition assassiné Mme Dorval. Et une raison de l'assassinat de Dorval, c'est pour opinion, c'est pour penser biblique, et que la gourmet, et qu'on est avocat, c'est une attribution gagnée, c'est question liberté, moun baka prendre la main, et c'est la loi qui confère. Donc, effectivement, nous, après, nous parler, nous discuter, justement, et famille vient décider pour faire autrement, dans le sens que, ça n'a pas étiré droit pour nous faire toute manifestation et commémorative pour honorer Maître Dorval, mais ils ont même décidé dans l'intimité pour être capable de faire des funérailles et qui ont même encore pour protéger peinture, protéger les familles et que nous n'avons pas fait obstacle à ça. C'est mais dans la dimension, M. Dorval, il y a personnage, son personnage qui dépasse nous, parce que l'IPACA, c'est pas un monde simple, un monde ordinaire, c'est un monde qui marque la vie sociale pays, c'est un monde qui passe la vie, la former des générations, M. Younadeo, et M. Dorval, il passe de présentation de pays, et nous connaissons tout, il y a une raison qui fait nous réhonorer coûte que coûte, c'est que avant de mourir, dans le jour même la mourialité dit, il ne m'appartient plus à moi-même, j'appartiens au pays, et je donne un sacrifice, ma vie en sacrifice pour le pays, et comme de fait, il a été sacrifié, et nous dit, il faut que vous honorez, et il faut bien comprendre ça tout, même s'il a fait funérailles et on sort de l'estreint, donc le fait, nous dit, pas de problème, de façon restreinte sur Feli, mais nous-mêmes, il y a une bonne possibilité pour nous faire de façon large, et ceci dans toute juridiction, dans tout département, à la même heure, de 18 à 8h30, à bien un messe le tième, qui a fait pour M. Dorval, côté tout avocat dans le pays, et même certains avocats de l'étranger, des possibilités pour rentrer et venir partager peines et douleurs avec nous pour rappeler qui nous met devant le pays et pour encourager avocat Port-au-Prince, avocat pays d'Haïti pour qu'il y ait un espoir et continuer à vivre et continuer à faire travail pour défendre la société. Parce que là, on prend un bâtonnier pour éliminer le conseil, la façon d'éliminer là, je veux dire que tout le monde, tout avocat, c'est pour payer, il va pas droit parler, il va pas droit défendre nous, il va pas droit défendre la liberté d'expression, il va pas droit tout pour défendre le droit. Donc nous dit ça va pas passer, nous pas accepter et sous quelque soit forme non, nous pas accepter. À moins que tu es tout avocat net et dans votre pays là ou bien écoutez nous ce travail nous jeunes de celle là parce que c'est la loi qui banne. Donc le 18 a bien mes là dans toute juridiction jeune durant a bien des cérémonies qu'a honoré M. Dorval. Et puis, jeudi 17, à Port-au-Prince, dans le qui j'ai écrit dans notre plan, n'a pu recevoir tous les amis, tous les sympathisants, et M. Dorval, tout avocat, qui a venu saluer une autre, qui a venu encourager une autre, qui a venu rappeler mémoire M. Dorval, une avec l'autre, dans la façon pour qu'il quitte l'allée, de façon honorable, mais en même temps tout, pour nous continuer à mettre pression pour DCPJ, à tout commissaire gouvernement, mon responsable, pour qu'il ait identifié auteurs, co-auteurs et complices, pour le déférer, on va devant la justice, pour que justice soit faite. Venez et enquête là, tout à l'heure, on a pas seulement rappelé que soirée hommage à Bâtonnier, il y a fait jeudi 17 septembre à 4h, alors de 4h à 7h, dans PM, dans l'hôtel Ritz-Kinam,
qui est dans la rue panaméricaine et il y a une messe de requiem à chanter vendredi 18 septembre à 8h30 dans l'église Saint-Pierre Pétionville et au Sotdil. Même activité ça, même messe ça, il y a organisé dans 17 autres juridictions qui gagnent en dedans à payant. Mais sous question enquête, là, nous-mêmes, dans le niveau Batona, nous avons qui ça comme information, comment elle a pas avancé? Jusqu'à présent, l'information que nous gagnons, c'est Mounio Kembe, il y a deux mounes. Nous connaissons, selon déclaration du commissaire gouvernement, il y a deux mounes clés, Yokembe. Et jusqu'à présent, il y a pas de faire devant la justice, mais Yokembe toujours, et de ce pays, il y a cherché l'information toujours. Et il y a l'autre mounes qui attendait toujours. Donc, il y a un avocat qui attendait, et parmi les avocats, moi-même, c'est le secrétaire de l'ordre. Je vais inviter nous tous pour attendre. Donc, nous n'avons pas de problème avec ça. Et bien, nous n'avons pas de problème avec ça. Nous voulons collaborer pour permettre que l'enquête là aboutit et tout ça qui est possible pour nous faire. Donc, pour aujourd'hui, nous n'avons pas trop d'autres informations. Peut-être que des commissaires gouvernement parler. Le commissaire gouvernement toujours parler, toujours pas d'informations. Mais, à part policiers qui étaient là, tout que le commissaire avait le mandat et qui parle encore, qui relâché, et selon les dires du premier ministre, qu'ils n'ont rien à voir avec. Donc, jusqu'à présent, c'est information ça n'y a rien. Et nous attendons pour communiquer dans l'autre monde, ils ont arrêté et puis ils ont défendu par devant qui de droit. Au bail à Magic 9, on dit que DCPJ, enquêteur DCPJ, t'a subi pression. Bon, jusqu'à présent, tout le monde connaît que toujours des pressions qui ont exercé sur toute autorité qui a exercé enquête dans le pays. Ça, et c'est pas Josia, et pas dans le calme d'Oval seulement. Depuis dans plusieurs films, dans Jean-Dominique, après 20 ans, je t'avais dit qu'on a identifié tout le monde qui était commis le crime. Bien que gen moun di gen soupçon, suspicion, etc., nous ne va jamais gagner, mais de façon définitive, il va dire qui est, et dossier jusqu'à présent, li pendant. Pour DCPJ, moi-même personnellement, je connais que, selon ça m'apprenne, que gen des pressions qui exercent, et pressions qui sont haut, et qui sont très haut, comme on dit, haut seulement, donc ça veut dire, nous connaissons pratiquement que tu m'en as fait ça. Tout crime qui fait, oh Dieu qui fait, c'est toujours à battre, c'est tout fait, pour l'auteur va jamais identifier, et comme ça, vous continuez à faire crime. C'est pas très, normal. Très haut, dans le niveau, dans quel secteur? Dans le niveau pays, dans tout côté, dans tout secteur, dans le pays en général. Donc, non, est-ce que c'est au niveau de l'État? Bon, DCP, c'est une instance de l'État. Donc, c'est l'État qui, moi, c'est l'État qui a l'État pression, donc, Maca. Bakadou qui est personnellement, mais selon ça, qu'on aime gagner comme information et de soucis, j'ai pressé qu'à exercer. Ça me content parce que DCPJ jusqu'à date a cédé à pression. Et ça, c'est encourageant. Et moi, je dis monsieur DCPJ, monsieur Damien, bravo et continuez comme ça. Vous pensez que DCPJ gagne assez d'informations pour identifier auteur, co-auteur yo? Déjà? Depuis que tu as un téléphone, depuis effectivement que tu as un téléphone, mettre devant là, et puis tu as tracé tout appel, tu as fait tout ça, tu supposes faire de façon technique, tu connais et tu as besoin de et tu as identifié, parce que bon, c'est, ça a l'air clair. Et il y a l'autre détail, tu as cherché, peut-être que tu as des soupçons sur le monde, tu as cherché, tu as besoin de joindre, ça a arrivé, mais ça nous est certain, c'est que le CPJ, assez expérience pour lui de la mener enquête pour l'aboutir avec des capacités ça tout et ça fait nous besoin que support l'autre ordre avocat qui à l'étranger toute l'autre institution internationale qui vient qui a opéré dans le pays là nous demander au support pour aider et courir et des CPJ dans ce sens de façon technique et pour capable bien assez pour le bail résultat enquête là et comme de fait nous pouvons se souvoir sur la brisée. D'accord. Et nous, tout que dans le niveau Barouan, nous n'avons pas d'accord avec la décision du Premier ministre qui était passé l'ordre à commissaire gouvernement pour retourner sur mandat d'épaule qui était fait contre 5 policiers. Bon, le Premier ministre, il y a un pouvoir, c'est dans un seul pouvoir qui est dans le pays actuellement, pouvoir exécutif. Donc,
et nous connaissons le commissaire gouvernement, c'est le représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Et voilà que le Premier ministre a décidé que pas gagner infraction. Il a décidé pas gagner Mounsaïo, pas gagner rapport avec ce qui passait là. Et me réitérer encore, et me dire avec toute conviction, hein. Et si le Premier ministre dit que Mounsaïo pas coupable, ou bien va gagner pour yo, ça me va dire yo même personnellement. Parce que tant que la justice va prononcer son monde, il juge ce qu'on appelle la présomption d'innocence, et que le Premier ministre lui-même pas même fait état de présomption d'innocence, il dit yo innocent. Donc ça veut dire que le Premier ministre qui a fait un jugement, et s'il fait jugement libérer M. Sao, c'est que lui-même, on est qui est-ce qui fait Zakio, ou bien qui est-ce qui t'a sous les lieux, parce que de toute façon, on connaît qui est-ce qui est passé l'autre là, et la police, c'est une institution hiérarchisée. Mon policier va quand il décide de mettre son poste, on est clairé d'aller. Il dit, bon, l'autre qui passe de l'autre côté, bon, chef, dit quand même qu'il est l'aile, ou bien un gros chef qui est l'aile, qui est le déplacé. Donc, à moins que c'est ça, sinon, nous tombons dans une catastrophe nette, nous avons même besoin d'être dans le pays sans encore, si c'est comme ça, la continuer à fonctionner. Et nous prenons le Premier ministre avec quel droit pour y apporter, pour une décision, dans le sens, décision judiciaire. Et ça, dérangeant, extrêmement dérangeant. Et nous avons demandé pour. Et après, nous sortir notre là pour nous dire que nous rappeler que nous avons besoin d'être dans l'imitation. Chaque monde est dans l'imitation jusqu'à ce que la justice prononce. Et décision dit tout ça. Ben là, c'est dit tout le monde a accepté. Nous avons parlé d'un refus de bon côté Baroua pour accepter de hommage bon côté exécutif là. C'était ça, moi, exactement. Non. Bon, mais selon les résolutions qui ont été adoptées le 31 août, nous songeons que l'avocat a été dit dans le point 4 dans la résolution, il prend distance, il décide de prendre distance avec tout apport ou bien support du gouvernement de Capoté dans le cadre de la Mohamed Doval ou bien dans le cadre de funérailles pour Mohamed Doval. Mm-hmm. Et pour chaque justice qui est ça, nous disons Mohamed Doval. C'est un instrument aussi important, c'est un pelle aussi rare qui mérite d'être préservé et protégé et qui n'a pas pu bénéficier de responsabilité ça, que la police vient protéger ces vieux-là. Et qui blague Mohamed Doval comme ça. Donc, quand c'est résidentiel, présidentiel, côté président arrêté, que Mohamed Doval rentre la Kalina, l'air, il y a tant de surveillants, il y a tant de. Il a bien rangé tout le bagage pour tuer la Kaili. Et qu'il y a un gouvernement qui a dit hommage à quoi cela va servir. Nous te dit, l'Assemblée générale, ce n'est pas ma décision, c'est la décision de l'Assemblée générale, qui dit qu'il prend toute distance et il va d'accord pour aucun rapprochement entre gouvernement et ça le fait. Donc, de toute façon, le gouvernement libre dit qu'il doit toujours faire ça le fait parce que au lendemain de la mort de Maître Doval, vous songez que. Et le président de la République avait réuni la presse pour décider de 3 jours de deuil et pour, en faveur de à la mémoire de Maître Doval. Nous avons dit ça sans pas de contacter personne, nous avons décidé comme ça. Donc si on a fait comme ça, on a libre de pouvoir pour faire. Donc nous-mêmes tous nous libres pour nous capables pour décisionner faire ça nous fait pour Maître Doval sans nous pas gagner présence sur aucune autre entité qui a vu nous déranger d'exprimer. D'accord. Eh bien, merci un peu, cher maître. D'accord, je sais, merci. Merci un peu, maître Robinson Pierre, lui, secrétaire barolois d'avocats Port-au-Prince, également secrétaire général fédération Baroyo, qui était en direct avec nous, qui lui-même a continué ensemble activité que j'étais prévoir pour vendredi, une messe qui a chanté 8h30 dans l'église Saint-Pierre Pétionville et qui a fait dans 17 autres juridictions qui gagnent yo et une soirée hommage a fait jeudi dans l'hôtel Ritz-Kinam. Oui, c'est dans l'occasion funéraille bâtonnier l'ordre d'avocat Port-au-Prince maître Montferrier d'Orval qui prévoit fête vendredi 18 septembre Cap Vinila et la bien pour fête dans plus grand intimité. C'est ça, famille de fait annoncé dans une autre famille présentée. Remerciement à tout Silayo qui était exprimé affection avec sympathie dans circonstances assassinat et mettre là. Famille a profité pour annoncer tout le monde funéraille là a fête dans plus grand intimité pendant il fait qu'on ait été ouvert à tout le monde qui gagne intention rendre hommage à l'ancien président Barreau au Port-au-Prince. Toutefois, il a souligné il a toujours été accroché
fâché ak respect décision sa. Doué gagner une disposition qui prend pour poursuivre chef paquet Port-au-Prince là du Carmel Gabriel pour erreur grave li commet dans cadre d'enquête sur assassinat et bâtonnier lors d'avocat Port-au-Prince là maître Montferrier d'Orval d'après collectif juriste progressiste haïtien commissaire gouvernement pas disposé aucun procès verbal qui confirmait avant le déplacer li était quitté monde pour veiller espace là ça qui la cause c'est un crime souillé secrétaire général Gouplan, Mario Joseph qui croit la mort bâtonnier c'est un crime d'état fait qu'on est toute piste doit exploiter pour permettre lumière blaï sous crime ça secrétaire général collectif juriste progressiste haïtien yo met Mario Joseph t'es dans micro magasin Philistin commissaire fait un gros bêtise on a dit bévu peut-être par contre qui intention en qui sens qu'il fait est-ce que c'est protéger et parce que et tout le monde clair depuis longtemps qu'on paquet zak crime massacre d'état qu'a fait dans pays il dit il est clair pour tout le monde ça passé à tout précaille monsieur après Dieu alors monsieur Jovenel disons c'est monsieur qui était là après Dieu pas moi même mais monsieur Jovenel et nous on zone qui t'a supposé qui censé aussi sécurisé que zone ça mais yo rivé tout près à tout yon touye et bâtonnier ya c'est pas normal c'est bon qui grave que lié et kou lié nous venons de technicalité faute technique qu'a promettre dans le dossier ça veut dire nous voulons comportement commissaire la continuer exécution ou bien complice d'exécution maintenant lorsque li aller sous scène de crime non li peut-être li pas dit est-ce que l'accompagner de juge de paix, même sûr que le gagne juge pas avec. Comment on fait quitter ce crime sans lui pas mettre surveiller avant de quitter? Parce que il pas bailler juge de paix à responsabilité et c'est lui qui chef au PJ et automatiquement même si juge de paix était là en vente, t'arrive en vente, il t'a opéré dans le corps ou bien l'autre barrette, automatiquement le barrette juge de paix a dessaisi au profit de lui et c'est lui qui va le bailler juge de paix à l'ordre. Alors côté procès verbal, qui moun il y a non moun yo qui t'a géré scène de crime. Pour qui ça? Et ces policiers qui sorti dans Udmo et qui sorti et m'a connu juste en bas la ville là qui pour monter et pèlerin qui pour gérer scène de crime là. Donc non toutes ces sont des questions que nous ca toujours et à poser tête non. Donc je pense c'est vraiment important pour nous comme ça parce que commissaire et pas qu'a dit pas connait et il t'a doué